Bonjour à tous, c'est Alex. Yo, c'est Az. Ça va, Azdingue? Ça va très bien, oui. Colonel! J'ai fait un mélange de général et de colonel. Colonel! À vos ordres! Oui! Vas-y, vous allez me faire quelques flexions extensions? Oui, chef! Oui, chef! Plus vite que ça! Oui, chef! Allez, cracher le tabac! Oh, hein? Je me rends! C'est bon? C'est quoi la touche, merde? Moi j'en ai paramétré qu'une en fait, je peux pas faire d'autre chose que ça. Ça va aller chef, merci chef. C'est bien. Follow me. On y va. Tu veux choisir l'émission qu'on va faire aujourd'hui? Ah non, c'est toi, parce que c'est toi qui... C'est moi qui choisis. C'est toi. Alors, on va faire une mission, on fait pas l'émission principale du coup? Tu préfères secondaire, faire... Donc moi je débute, Azdingue est un peu plus évolué. L'émission en vert c'est la quête principale, c'est ça? Ouais. Et les missions secondaires, normalement, c'est en bleu, donc on va faire ça, tiens. Donc ça sera un peu du freestyle, parce que comme vous le voyez, Az est niveau 15, et moi, ah, je suis niveau 6, ça y est, sérieux. Mais pour le coup, en fait, c'est l'ennemi a un niveau, comment on dirait. Ouais, il se... équilibre pour nous deux, quoi. Ouais, tu vois, c'est comme un alien, il arrive à s'adapter. C'est ça. Entre ton niveau et mon niveau. T'as mis une mission sur le GPS? Voilà, j'ai la mission sur le GPS. T'as pas le tracé? Si, si, c'est bon, j'avais pas vu. J'avais pas fait attention. J'avais pas vu. Moi j'ai une Vesper, ou un Vesper, et un fusil à pompe. Et ouais, on va pas faire la quête principale parce que juste avant on l'avait faite avec Az. Et le boss il. Attends. Non, c'est moi qui ferme les portes! Un truc que j'avais pas pris ici. Hein. Le boss il avait un fusil à pompe à 100 mètres, il one-shotait. Ah, ça je l'avais fait, tiens. Attends, je vais te laisser écouter. Ces éclairages sont trop beaux. Magnifique. Le petit truc qu'il a ramassé, ça lui raconte une histoire. J'avais même pas fait attention que c'était des ennemis. Enfin, des méchants. Derrière toi! Ah, ils sont quand même niveau 10 quoi. D'accord. Ok. Alors que c'est une zone 2-4 quoi. Niveau 2 à 4. Moi je vais augmenter mon volume parce que j'ai un problème, j'entends pas du tout Az aujourd'hui. Mais le problème doit venir de chez moi. Bon alors qu'est-ce que t'en penses, t'as vu que t'as joué beaucoup plus que moi pour le moment? Moi je kiffe bien, franchement je kiffe vachement bien. Là c'est trop joli, la venue avec la voiture de flic là-bas au fond, genre ça se finit pas, tu sais. Ouais, ça fait un peu jeu d'horreur là. Ah mais tu imagines toi un mode zombie là, sur cette map quoi, avec ce gameplay. Ce serait totalement ouf, c'est avec des zombies qui courent et tout, tu sais. J'avoue que les zombies on en a eu assez dans les jeux, mais là ça serait bien prêté quand même. Ouais, carrément. En fait, ça me fait penser à Resident Evil 2 et 3. Mmh. C'est les décors un peu. Moi, ça me fait penser à Noël. Jingle Bell, Jingle Bell. C'est excellent, je trouve, d'avoir New York sous la neige. Ouais, grave. Ouais, bah, globalement, le jeu, moi, franchement, je le surkiffe. Après, j'espère ne pas être trop lassé rapidement parce que. Ouais. T'as vu la petite fumée là qui sort de l'égout là? Magnifique. Ouais, là, je suis en train de tuer des mecs. D'accord, attends, Oh, d'accord, hey, il m'a one shot. Il m'a one shot, Az. Az, ouais. En fait, ça sera le mec, ça sera mon Big Daddy. Non, je suis mort. Punaise, le mec, il m'a juste mis un coup de rond, de gourdin, de rondin de bois. Oh, d'accord, je suis empalé sous une voiture. Az, help me. J'aurais pu réapparaître, mais n'abandonnez pas. Tu crois qu'il va pas me blesser, cet enfoiré? Lacrymogène, t'as intérêt à bouger, bouge. Mais je peux pas bouger pendant quelques secondes. C'est bon, merci mec. Katsu Sig. Bon, on va peut-être aller à la mission. Tu voulais montrer quoi du coup? La fumée? Ouais, une petite fumée qui était sympa là, qui était bien foutue, à côté du camion. Ah mais ouais. Ça du coup, putain, ouais, c'était dans la méta ça. Il y a magnifique cet endroit avec les décos de Noël. Grave. Ça c'était présent dans la méta, je m'étais pas mal promené ici d'ailleurs. J'ai bien aimé. J'ai dit que je faisais plus de corps à corps contre eux, moi. Non, je parlais de cette fumée là, avec les textures du sol là. Yeah. Trop beau. Et j'aime bien le délire un petit peu qu'ils ont fait avec la Dark Zone, hein, l'espèce d'espace où tout est permis quoi. Ouais. Et j'espère juste qu'ils vont rajouter quand même pas mal d'activités parce que juste le fait de juste ramener du stuff. Ouais. Je pense que ça peut être vite lassant. Enfin, ça devient vite répétitif, quoi. Tu ramasses un maximum d'objets, C'est vrai. Tu fais l'extraction, hop, tu rebolotes, quoi. Ouais, je pense que...
Je pense, moi c'est ce que j'avais fait lors de la bêta, j'avais fait une petite vidéo. C'est se lancer des petits défis, des petits objectifs à soi-même. Après ouais. C'est vrai que ça peut devenir très répétitif, mais de stalker des ennemis ou alors de tuer simplement le renégat, devenir ami. De toute façon, j'ai vu, je viens de voir sur le site là de Division. Ouais. Apparemment le deuxième DLC gratuit là, bah il y aura des activités en plus sur la Dark Zone. Ah c'est cool. Ouais, c'est vrai que sinon ça peut être très vite limité comme ouais. Tu dis quoi. Par contre tout ce qui est mission principale, secondaire, je trouve tout très bien réussi. Ouais, j'ai pas encore fait beaucoup pour le moment du coup. Ça je trouve bien, je trouve pas lassante en fait tu vois. T'as des missions dans des jeux secondaires ou quoi, ouais. T'as pas envie de les faire quoi. Là ça va. C'est ici je crois. C'est à droite. Bonjour madame, elle veut une tablette de chocolat encore. C'est bon, on s'excite pas. Non, elle veut rien. Il oh se bat, là. Ouais, t'as vu quoi, là. Il a les... Oh punaise, regarde ses cheveux. Ah non, c'est un bonnet. Je pensais qu'il avait une salade sur la tronche. C'est la nouvelle mode, la salade sur la tête. Attends, ça explose ça, tu crois? Attends, que je m'éloigne. Non, ça explose pas. C'est... comment ça s'appelle? Ah par contre le mec qui est dedans, hello. Je sais pas s'il est mort ou s'il est hypnotisé mais je pense qu'il est mort. Il a l'air mort ouais. Ah ouais, les yeux grands ouverts. Non j'allais dire autre chose à propos de la citerne mais je sais plus. J'ai plus les mots. Ouais, c'est là-bas. Ah ouais c'est une mission de soutien. Ouais, et après c'est les missions on peut en faire. Communication radio JTF, si tu veux. Bon Asdang lui il va aller one shot les ennemis. Moi je vais avoir un peu plus de difficultés. T'as mis combien en sensi d'ailleurs toi? Boum. C'était 3 ou 4 je crois. Ah ouais sérieux? Ouais mais j'ai 3 ou 4 ouais c'est ça. Ah y'avait un truc qu'on m'avait dit dans la bêta, il fallait passer à côté des ordi, il se passait quelque chose. Je crois que ça bougeait bizarrement mais là ça le fait ça plus. Hmm ah ouais. Vas-y faut voir. Non mais là ça fait rien mais dans la bêta on m'avait dit de faire ça, il se passait un truc marrant. Ça c'est même, c'est impressionnant quand même, rien que les petits objets, rien que le truc là pour la carte bleue, il est vachement détaillé quoi. J'avoue, attends je vais récupérer des trucs. Aide-moi, je veux ça. Ok c'est cool, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est pas fini la mission. Non faut parler au mec. Mec. J'espère qu'ils réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une partie de la JTF. Okay. Attention, force hostile ah, en approche. Les hostiles en approche, mec. Ils arrivent. Non, ils arrivent non, par là où je suis. À l'est. Tu vas devoir remettre des coups pour le tuer comme ça. Grave, je sais même pas pourquoi j'ai tenté. Ouais, mon fusil à pompe il est tout pourri à côté du leur. Ouais, je suis presque mort. Non, il y en a encore. Protège me, Yaz. Protège me. Oh, tu les stops direct. Ils ont même pas le temps d'arriver, quoi. Moi, c'est moi qui stop. Oh, voilà, je suis mort. Ah non, j'ai fait le... Je voulais faire genre le guerrier, tu vois. Ça c'est à cause de toi, t'as fait exprès pour que merci, je me fasse ridiculiser. Ouais, on a gagné que 37 crédits quoi, les crevards. Vas-y, je te laisse choisir une mission, on fait chacun notre tour. Vas-y. Allez, celle-là. Je crois que je l'ai même pas faite, tu vois. Ah cool. Même les doublages sont pas trop mal, hein. Non, c'est vrai, c'est bien. Mais j'ai bien aimé la petite cinématique, pour ceux qui ont pas vu le début du jeu. Vous avez une cinématique bah, qui vous met dans l'ambiance de ce que sont nos personnages, à quel groupe ils appartiennent, à savoir la division. Et c'est des personnes, comment on dirait? Bah lambda, c'est, en fait c'est un peu ouais. Des réservistes, c'est un peu des forces spéciales réservistes quoi. Ouais, qui... dès que ça part en couille, bon, on les appelle et ils viennent quoi. Et ils oublient tout ce qui est de leur vie, leur famille et tout, ils partent pour faire leur mission coûte que coûte. T'en plein repas ou quoi, bah... Il faut oh non, il va pas en plein repas quand même, t'as vu. Il faut finir le repas. Attends, il y a un civil dans le besoin, attends, je lui file un sneakers. Ouais, je vais ramasser, il y a un téléphone. Ah ouais, pas vu. J'avais harcèlement pas vu. Téléphonique. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne m'aider. Bip bip bip. Ouais, j'écoute. Allô.
mal. Le mec il respire. Allô ? C'est un chien. C'est qui là ? Alors, ça fait quoi, hein ? C'est pas les coups de téléphone à 4h du mat. Allô ? Ils ont mis des harcèlements téléphoniques, quoi. Le doubleur, il a été payé pour faire ça. Grave. 550 mètres, là. Ah ouais, je vais pouvoir améliorer mon truc médical. Ah, c'est bon, c'est fait repérer, là. Boum. Boum. Laisse-moi faire mon XP. Vous êtes fait l'XP, je crois. Oui, mais il faut le tuer, aussi. Ok. Ouais, c'est... Par contre, au niveau customisation du personnage, on est très vite limité. Il n'y a pas beaucoup. Il y a 5 visages ou un peu plus. Et... Ouais, pareil pour les hommes et femmes. Moi, mon bonhomme, tu trouves pas qu'il ressemble à un mec de Sleeping Dog un peu ? Grave. Il s'appelait Way, je crois. Moi, j'ai une tête de héros lambda de jeu vidéo. J'avoue. Y'a pas. Allez, l'entrée. Allez, l'autre côté, je crois. Ouais, je vais fermer la porte. J'aime bien fermer la porte. Oh, y'a un petit Père Noël. Ah, ouais, ce que je regardais. Tiens. Ah, elle voulait le prendre. Ouais, grave. J'avais tiré dessus, elle a fait mon Père Noël. En fait, c'est... C'était une secte. T'sais, t'es en train de prier le dieu Père Noël. Attends, y'a un... Ah, y'a un truc ici. Ah, j'avais pas fait ça. Ah, mais je l'avais fait dans la bêta, ça aussi. Cet endroit, en fait, tout ça de la bêta, je l'avais vu. Tenez. Faites-les durer. D'accord. Excellent. Grave. Non, c'est la rébellion, tu sais. Alors vous posez tout ça par terre et vous vous parez. Et chose que hasard. On va au Garden. On remarquait, c'est quand on va dedans, les petites particules se dissipent dans la bêta. Je crois pas que ça y était. Ça fait un petit bruit aussi, tu vois. Bon, allez où l'entrée là. Ah, c'est par là. Ah, les ennemis. Je te laisse te les faire, vas-y. Ouais, là tu vas me regarder mourir. Allô les mecs, je viens. Je t'envoie une tourelle pour t'aider. Vite, envoie une tourelle pour m'aider. Wouah, hey, je suis mort. Enfin pas mort, mais... Punaise. Ils font tellement mal. Elle est belle l'avenue là. Elle est super belle. T'es à terre. Ah, va falloir que tu joues pas pendant quelques heures, histoire que je level up. Parce que là, je suis mort, mais tu sais, j'ai la tête dans le sol. T'as vu toutes les ordures, quoi, qui dégueulent des fenêtres. Tu peux pas rentrer dans ton appart. Ah. T'as pas juste fait une ville vide, tu vois. T'as vraiment mis l'ambiance d'une ville abandonnée, tu sais, où y a plus rien, quoi. Toutes les ordures sont délaissées et tout. C'est vraiment ouf, quoi. Ah, cette avenue, elle est magnifique. Elle est trop belle, t'as vu toutes ces poubelles. Tu peux me faire la vignette ici, tu vois. Ah ouais, j'avoue. J'ai pas l'air content. Pas bouger, Médard. Jean. C'est le seul truc que je pouvais tuer dans le jeu qui avait mon niveau et tout. Elle est où l'entrée, là, du truc, là. Bon, on dit que c'est vrai que c'est super beau. En fait, on est en admiration devant des poubelles. Oh, regarde les poubelles. C'est trop beau, des poubelles. C'est ici. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Vas-y. Les grosses fesses d'abord. On peut se laisser tomber. L'ombre de taré, ouais. Quoi. Hein? Comment? L'ombre de taré. Alors, je suis ton père. Petit. Attends. Vas-y, fais du sport. Oh non, l'entrejambe et tout. Regarde. Oh, ça fait un truc bizarre. C'est n'importe quoi. Quoi? Eh, tu peux déglinguer les briques. Les briques? Ouais, elle se retire du... Ah ouais. Oh, c'est trop méga bien. Et t'as vu les ampoules, quand tu les pètes, la lumière elle se rallume au bout de quelques secondes. T'es où là? Je suis en bas, mec. Mais là je crois que c'est dans... Un pis sur espace. Ah ouh, bien. Regarde, tu vois l'ampoule? Elle s'est éteinte, elle va se rallumer, regarde. C'est genre le truc d'urgence, tu sais. Non, même les lampadaires dans la ville, ça fait pareil. D'accord. Et c'est pas mal, cet endroit. Mm. Mirror Edge en un peu plus sale. Et en fait, le troisième DLC, ce sera un truc basé sur le underground de New York. Ah ouais.
Bah, dont on est sous-sol, quoi. Ouais. Bon, on y est dans le DLC. Ah, mais genre un truc plus. Ouais. Poussé. C'est où qu'il faut aller, là? Moi, je veux trop Central Park et tout. Chinatown. Je suis allé là, mais je sais même pas sûr que c'est. Que ça se fait ici, en fait. Okay. Voilà. C'est possible. Et je cours. Je cours dans les égouts. Je me saoule avec l'eau. Les égouts. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, mais ça doit être par là, je pense. Dit-il. Oui, que ça doit être dit-il par là. Dit-il sans sa voix. Dans tous les cas, vaut mieux que tu passes devant parce que j'en ai marre de me faire one shot. Ah, j'ai pas vu de mission indiquée en tout cas. Je crois qu'en fait, on a fait le tour en fait là. D'accord. C'est moi qui dis des conneries. On a fait une boucle. C'est ça, ouais. C'était trop de laval. C'est pas possible, c'est où le. Je vais faire tomber des briques sur ta tête. Oh ouais. Oh punaise, un éboulement. Regarde au-dessus de toi. Oh, y'a rien qui tombe. Ah non, regarde, c'est... non. On a pas fait Oh, tricycle. Non, on n'a pas fait une boucle, hein. Ah ouais. On va ressortir par un autre endroit. Ou bah, alors, je crois que là, ça nous amène vers l'endroit où on doit aller, là. C'est pas ce que t'as dit il y a 5 minutes. Y'a quoi là-dedans? Nous sommes bloqués à vie. Oh, mon calendrier. Mais c'est quoi qui a pété, là? Je sais pas. Ah, c'est mes drones, je crois. Ouais, ouais. Ouais, ok. Et là, on revient à la case départ. Tu crois? Eh oui. Ah, c'était stylé. T'as le soleil là qui tape là. Laisse-moi choisir une mission, Az. On va faire une mission principale, c'est pas grave. Vas-y. Si on veut une source d'alimentation sécurisée, je pense que notre meilleure option, c'est la ligne. Attends, on va aller tout droit, c'est trop beau. Une petite équipe menée par un ex-ingénieur militaire appelé Paul Rhodes était partie le faire. Non, c'est mais ils ne sont pas revenus. Et on n'a aucune nouvelle d'eux. Donc là, on va faire une mission principale. Il faut rétablir. Le deuxième est important, mais le premier est vital. Attends, elle est en train de crever, la pauvre. On va rétablir des trucs. Vous êtes en train de mourir, madame. Vas-y, achève-la, Az. Il faut en finir. Eh, mais c'est photoréaliste là quand tu regardes le bâtiment là. Ah non, mais l'éclairage il est dingue. Grave. C'est abusé quoi. Ah, c'est pour ça en fait le chemin c'est pas par là. Les relevés. Ah, si maintenant. La présence d'un écho dans les environs. Ah, y'a un écho. Non, mais même on voit trop loin de la rue. Mais grave. Mais tu sais que tu peux encore. Ah, quoi, tu l'as activé. Ah, tu voulais pas l'activer? Si. Ah, j'ai activé un truc sans faire exprès. Y'a pas des dialogues alors? C'est une manifestation? Je sais pas. Ah ouais, en fait, d'accord. T'as les CRS. Trop bien hein, l'ambiance audio là. Ouais. Nion, ça fait plein de nions quand tu passes ça. Nion, ça fait plein de nions. Et lui, il fait quoi avec sa porte? Il se planque. Grave. Je me planque derrière ma porte. Je participe pas à cette mascarade. Bon bah c'est bon, on peut se tirer, non? Ouais, c'est bon. Et ma mission c'est toujours la même que... Attends, j'ai plus... Merde. Hop, voilà. Une de nos priorités consiste à rétablir. Ah, y'a des mecs en lance-flamme là. Et si on veut une source d'alimentation sécurisée, je pense que notre meilleure option... Mince, j'ai activé la mission et elle reparle maintenant. Bon, ça bonbonne. Vas-y, on regarde. Ça va péter. Ouh. Ah, il va péter encore. Oh, il est mort avant. Ah, excellent. Ok, Az s'occupe. Mais t'as un snipe? Ouais. Ah, ok. Ok, moi je veux aussi. Je veux le sniper. Là, cette rue, je crois pas l'avoir déjà parcouru. Et maintenant, c'est sur la gauche. Wow! C'est encore plus détaillé que GTA là. Ah, mais carrément. Rien que de marcher. Mmh. C'est la classe. Ça me fait penser un peu aux animations de. De Daisy. Enfin, de Rama quoi. Mmh. Ah, dans la façon de marcher, ouais. Ouais, quand tu marches. Exact. J'ai le pouvoir de trottiner.
Et lui, il a la volonté de voler une voiture alors que c'est en quarantaine et il pourra pas aller bien loin. Courage, mec, tu vas y arriver. Ils veulent tous voler des voitures, les mecs. Le CERA utilisait cette zone site comme fosse commune. Voilà pourquoi les nettoyeurs l'ont prise pour cible. Dans la mesure du possible, ah ouais, évitez tout contact. Mais faites le nécessaire pour que Rhodes rétablisse. Elle est tendue, cette mission. Ah ouais. Il est encore en vie, naturellement. Vraiment tendue. Oh. Prends-moi en photo. De relais auxiliaire. Hein, cible acquise sous niveau 3. Non, regarde, je disais prends-moi en photo parce que le truc, il y a juste ma tête qui dépasse. Je suppose. Coucou, c'est attends. Comme les jeux. Ah ouais. Hello. Ah moi je peux pas voir moi. C'est n'importe quoi. Tu veux voir? Ouais, ouais, vas-y. Attends. C'est n'importe quoi. Mais c'est marrant. C'est la morgue. Et là cette mission elle est pas facile tu dis? Ouais, vers la fin elle est chaude. Ah mais le boss de fin moi j'aurais encore aucune chance. On va tous compter sur toi, Az. Oh, bien joué. On va tous compter sur toi. Moi, je vais faire en gros diversion. Histoire que tu puisses avancer. Bien joué. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis plein de barils explosifs un peu partout pour aider. Ça va, tu leur fais des dégâts un peu quand même. Attends, tire pas, je vais le tuer. Voilà, j'en faisais un petit peu, ouais. Par rapport à Az tout à l'heure, moi j'avais une arme, je faisais 300 de dégâts dans la tête, Az il faisait 3000. 6000 sur la tête. Ah ouais, 6000. C'est un ennemi ça, ouais. Il y a un truc qui est pas mal, je trouve, c'est qu'on peut tirer sur à travers pas mal d'éléments du décor et on leur fait des dégâts. Et ça, c'est bien. Mais j'aurais aimé, c'est ce que je disais à Az tout à l'heure aussi, c'est peut-être une lampe. Apparemment c'est un pro, mais il est un peu excentrique. Bah, ça, je l'ai quand même pas mal. Putain, en c'est gros, joli, il là. A des tendances paranoïaques. Ouais. Waouh. Fais gaffe, ces mecs lance-flammes là, ils sont dangereux. C'est le plus chiant en fait, les lance-flammes. C'est vrai? Ouais. Oh punaise, le soleil, il éblouit et tout. Et j'aime bien aussi la balistique, un peu, elle est bien foutue, je trouve. Ouais, moi j'aime pas... Même le recul et tout, tu peux le compenser en baissant ta souris et tout, un peu à la counter, tu vois. Là, j'ai pas encore assez joué pour m'habituer à tout ça. Pour faire attention à tous ces petits détails. Ça, je l'ai fait en difficile, putain, parce qu'il est tendu. Je vais me soigner. Ils te font tellement reculer, les ennemis. D'après nos informations, un grand nombre de nettoyeurs sont sur place. Leur stratégie consiste à brûler les foyers d'infection et toute personne se mettant sur leur route. Faites très attention. Bonjour, moi, j'imagine bonjour. Qu'en difficile. Boum. Ah là, tu vas faire une petite brochette en plus. Il a fait le saut du saumon. Là, c'est un peu facile pour moi, mais tu verras quand tu leur feras si tu leur fais. Et t'as quoi comme atout du coup toi? Tu t'as ta petite tourelle? J'ai la tourelle et les trucs de soins. Les trucs de soins, ouais. Moi pour l'instant... Ah ouais, j'ai un truc pour me soigner mais j'ai ce pas vu si quelle touche. Ce projet était censé agrandir le métro de la ville. En fait, les deux aptitudes c'est A et L. L'apparition de la grippe du dollar. Ah d'accord. Mais bon, les travaux publics à New York, ça prend souvent du retard. Wow. Activation du relais électrique. Attends, il y a une zone d'infection. Juste derrière. Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de contamination. Une zone de contamination plutôt. Tu sais, il y a des trucs à ramasser, c'est ça? Ouais. J'ai récupéré un sac cadeau, sac ah, cadeau. Je l'ai pas vu, tu vois. Je l'ai fait deux fois cette mission, je l'avais pas cramé. J'ai des balistiques. Ah, moi j'ai récupéré un sac, ouais, je m'en équipe pas. Pourquoi tu quittes pas par-dessus? Waouh. Où est-ce qu'on va arriver? Donc tu vas voir, le mec, il va te faire penser... Ah bah tiens, cette mission, ça va te débloquer l'aile technologique... technologique. D'accord. Ah d'accord, cool. Parce qu'en fait, on a une sorte de hub. Réseau électrique local. Et faut faire... Je sais pas qui a remis la lumière. Une base centrale, quoi, c'est où il y a... Quelqu'un qui s'est perdu. Mais merci beaucoup. Ici Saïlo, je vous reçois, Rhodes.
Il y a de l'aide qui arrive bientôt. Et un petit conseil à celui qui se trouve ici. Dirigez-vous vers la salle du relais secondaire. Principaux axes vous voyez les cadavres, dans la base. L'axe sécurité, l'axe technologie et l'axe médical, quoi. Et sans, sans certaines missions. Et le commandement aussi. Non, comment, non, je sais pas. Normalement, c'est juste ces trois axes. Ah non, j'ai pas entendu. Médical, technique, sécurité. Ah oui, non, pardon. Non, j'ai cru que t'en avais dit que deux, j'entendais pas trop, j'écoutais en même temps. Enfin, tu peux montrer en appuyant sur P. Et après... Ah ouais, exact. En faisant des missions de type médical, bah, t'améliores en fait tes compétences... style soins, tout ça. Ouais, tous les cadavres. Etc, etc. D'accord, merci Az. Il y avait tellement de cadavres. Attends, Fa. Ok, on a... j'allais dire on attaque en même temps. J'adore ça, putain. Je les explose comme ça. Bien joué. Au-dessus. Oh, fais gaffe. Ouais, je me suis abrité derrière le mauvais mur. Waouh. Il y en a un au-dessus de nous. Mais ça, normalement, on peut tirer à travers. Non. Activation du relais électrique secondaire. Mon disque dur était plein. Et vous avez pas vu, j'ai trop aidé. J'ai juste pris un cube et je l'ai mis là-dedans pendant que lui il tuait. C'était le seul truc que je pouvais faire. Voilà. Et donc ouais, j'ai remarqué que quelques... ouais, ça fait que quelques minutes que vous avez manqué. Et, les coups de feu, c'était vous, hein. On arrive à la fin de la mission. Enfin presque. J'imagine que quelqu'un vous a entendu. Mais presque. Ouais, donc désolé. Attention, hostile en approche. D'attention de ma part. C'est joli, t'as vu là, on dirait une vraie... ah non, mais c'est stylé. Un vrai truc, un vrai sous-sol. On dirait même pas un jeu. Non mais c'est vraiment... ouais, c'est très réaliste. Fuyez, pauvre fou. Ça laisse espérer des trucs intéressants dans l'avenir du jeu vidéo, dans le futur du jeu vidéo. Ouais. Au niveau de l'immersion et de la taille des environnements. Ah. Merde! C'est mon pouvoir. Ah, mais là, c'est un boss, je peux rien faire. Oh, ça va plus! Ah! Cours! Moi, je reste derrière mon barbelé. Ça arrive sur toi, là, fais gaffe, y'en a un qui te fonce dessus. Le mec, il est en train de te vaporiser de déo. Ok, dès que je lance une grenade, il court. Ça te fait rien la grenade à toi, j'espère. Non. Oui. J'ai fait un kill. Et il commence à déjà tirer avant même que la porte s'ouvre, lui. Une blague. Ah, moi, je crois que je suis complet. Je récupère tout. Faut faire un truc, là. Ah, il y a une main où t'es. Attends, ouais, je récupère. Il faut que tu prennes le truc au sol. Attends, je vais récupérer. Il y a un truc juste là. J'arrive de ce pas. Bon, j'espère que la vidéo sera fluide parce que j'ai mis un disque dur qui est pas plein, mais qui est pas plein, mais qui a de l'espace, mais qui est pas très rapide. Enfin, on s'en fout. Ah oui, voilà, j'ai fait ma mission. Hostile en approche. Voilà. Protège-moi, Az. Protège-moi. Le mec est trop fort. Faut que j'aille là-bas. Ah, mais je peux tirer en même temps avec mon pistolet. Je sais que t'as besoin de moi avec mon pistolet. Piou, 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 piou. Wow. Je pose le truc que je reprendrai après. Hein. Je vais t'aider un peu même si je fais pas grand chose. C'est bon, tu peux le reprendre. Ok. Merci. J'aime toujours autant t'aider de cette façon. Ouvre-moi la marche. Attention, hostile en approche. Mon ami Asdin. Hostile en approche. Mais sort juste au coulé à toi. Merde, putain. J'ai même pas vu. Comment ça? Dégage. Bien joué. Faut que je monte, faut le... ok. Ouais, faut le mettre ici. A chaque fois que j'ai une petite flèche, je fais ça y est, enfin je vais pouvoir le poser. Et non, c'est pas encore là. Coucou, c'est ici. Je te déteste. Regarde, c'est super compliqué, tu peux pas le faire. Ce qui est marrant, c'est le fait que tu puisses pas courir avec ça, genre c'est trop lourd, tu sais. Et ouais. Le mec, il le lève d'une main, il le refout dans le truc et tout. C'est parti. Ah, c'est vrai. Que vous voyez bien dans le noir parce que vous allez devoir trottiner un peu. Non,
J'ai hâte de sortir de cette putain de crypte. Ouais, ok, c'est une pièce. Regarde le mec tout au fond, il fait pas penser à quelqu'un. Le mec j'arrive. On a belle vitrine. Attends une seconde, comme il dit. Il me fait penser à quelqu'un, tu veux dire? Ouais. Ah, Watchdogs? Non, il te fait penser à lui, non? Ouais. Mais tu fais penser à qui, toi? Watchdogs, ouais. Ah ouais, non, ouais, on est d'accord. J'ai l'histoire de vous prévenir, le courant va être coupé pendant une minute. Si c'est exactement lui. L'alimentation de la base, j'ai pas d'autre choix que de rebooter le système. C'est une sorte de clin d'œil, je pense. Mais tu verras que quand tu te rapproches de lui, après, ça, c'est pas du tout ça, en fait. D'accord. Mais je suis sûr que c'est quand même un clin d'œil, tu vois. On dirait vraiment le mec, tu vois. Ils ont fait du top pour les générateurs. Ah, c'est là, là c'est bien. Ça va être chaud bouillant. Enfin, pour sa gueule, ça va être chaud bouillant. Par contre, ils sont pas faciles à programmer. Mais avec un peu de chance... Hey! Hey! Putain, j'y crois pas, ça marche! On va arriver là. Vous deviez pas vous en occuper, vous! Ils arrivent d'où? Par la porte rouge là-bas? Ouais. Oh, je voulais pas tirer là-dessus. Ah, ils sont juste à côté de moi. Ah, il y en a un en feu. J'arrive alors tu tires un peu dessus. Bien joué. Le truc c'est qu'il faut vraiment que je me mette tout de suite à couvert. En plus je sais pas si c'est une bonne idée que je reste en bas moi. Non, surtout que là tu vas arriver. Adrien, punaise. Je les ai enfilés 4 headshots d'un coup là. Donne-moi ton arme. Non mais punaise, j'arrive plus à l'endroit où je suis à chaque fois. Voilà. Comme il disait. Non, j'ai pas le temps de me mettre à couvert, ils font exprès. Je vais derrière une porte, ils sont là. Vite, help me. Tu peux pas gagner sans moi. Tu peux pas gagner sans moi, je te dis. Ils sont trop forts. Tu n'as pas le niveau, Az. Merci. Bien joué. Ça c'est le boss. Oh, on a personne d'autre sur place. Est-ce que j'ai une... Alors, c'est le nettoyeur. Je suis mort. Attends, je vais me mettre à un endroit. Ah ouais, c'est l'ascenseur là-bas. Ouais. Elle est où la porte? Ah ok. C'est moi, c'est un gros monstre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est un mec avec un lance-flamme. Ah ouais, sérieux, il a un lance-flamme. Moi j'aurais cru que c'était Hulk qui me fonçait dessus. Attends, attends qu'il soit à côté du bidon. Maintenant. Ouah, ouah, il va loin, sans soi. T'es sérieux, il me faut la même chose pour mon barbecue, mec. Moi, il s'allume jamais. Mais moi, franchement, j'ai du mal, là. Le bouclier, il est vachement... Il a... Pourquoi c'est sur moi qu'il lance? Il voit bien que j'ai pas le niveau et c'est moi qui veux tuer. Une fois que le bloc il est down, c'est bon. Ouais, ça descend plus vite. Ouais. Ah oui, là ça va. Voilà, tu lui mets une balle et il est mort. Ouais, bien joué. Merde. Ça va encore par rapport au boss de tout à l'heure. Non mais franchement, là si tu te tapes contre lui au niveau où tu dois te taper contre lui, tu galères un peu. Personne fout ça en l'air. C'est pas non plus le boss de ouf, mais il est chiant. Je vous rejoins dès que j'ai terminé. Ouais, il était surtout impressionnant. Allez, on prend l'ascenseur, c'est ça du coup? C'est ça, ouais. Et après ça devient un mec dont tu te tapes quotidiennement après. Ah ouais? Dans des niveaux plus élevés. On va le revoir, le bonhomme. Lance-flamme. Genre, une ascenseur chacun, quoi. Coucou! Ah, moi je pensais que c'était ouvert. Il a coupé sur le montage. Agent, le réseau électrique est beaucoup plus. Si j'oublie, t'es foutu. Là. Grâce à vous, nous sommes de nouveau opérationnels. Rhodes est déjà en route, il est inutile. Ah, je gagne quand même du staff niveau 15. Une fois que vous serez de retour. J'ai même pas regardé ce que j'ai gagné. L'inventaire est plein, certains objets sont tombés au sol. Ouais, j'ai vu, ils étaient par terre. Ça, t'as gagné deux niveaux rapidement là. Ouais, je suis level 7.
La classe. Tu veux faire un dernier petit truc pour arrêter la vidéo? Non, je vais arrêter. Il faut que je prenne ma douche et tout là. Ce soir, je serai pas là. Ok. Enfin, je sais pas à quelle heure je pars, mais je ferai peut-être une partie, je pense, avant de partir. Mais là, faut que je me lave et tout. Faut que je fasse la vaisselle, il y a trop de bordel. Ok. Bah, moi, du coup, je vais jouer une petite heure, je pense, ce soir, histoire de. Là, tu peux avancer avec moi? Hein? Est-ce que tu vois le plot avancer avec moi? Regarde en face de moi. Attends. Vas-y. Il avance pas quand je tire? T'as pas assez de puissance? Ah, si. Bien, il bouge plus que le mien. C'est le scope, il bouge pas. Regarde comme il va voler là. Ah mince, là je te vois pas tirer dessus. Ah, il est plus au même endroit, ça a été désynchronisé. Ah, il est plus loin là. Entre toi et moi. Bon, bah voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo. Ouais. On espère que ça vous aura plu. Yeah! Et désolé, moi j'avais pas le niveau requis pour. On en fera d'autres avec des niveaux similaires, ce sera plus. Que vous soyez avec nous. Ouais, ça va nous reconstruire le jeu quoi. Tu vois, c'est un peu easy. Bah, moi je débute en même temps, donc il va falloir que je m'habitue un peu à toutes les commandes, les manips et avoir des nouvelles armes et tout ça, et on s'amusera plus les prochaines fois. Yo! Carrément! Donc, à bientôt tout le monde! Et à bientôt, Az. Ciao! Ciao!